Abdelhafid Boussouf est né en 1926 à Mila. Il fit ses premières études dans cette ville et y passa une bonne partie de sa jeunesse avant de se rendre à Constantine pour poursuivre ses études et où il obtiendra son brevet élémentaire. 1942. Là, il adhéra au PPA à 16 ans et fit ses premières armes politiques auprès de militants éprouvés tels que Mohamed Boudieff, Rabah Bitat, Larbi Ben Mehdi, Lakhdar Ben Toubal, jusqu'en 1947, date de la création de l'organisation spéciale LOS, dont il fit partie. En 1950, il rentre dans la clandestinité d'abord à Skikda, puis en Oranie, où il n'est ni connu ni recherché par les services français. Responsable du MTLD de la Daïra de Tlemcen, il active au renforcement des structures de ce parti tout en gardant le contact avec les autres membres de LOS. La scission du MTLD en janvier 1954 entre partisans de Messali Hadj et les membres du comité central regroupé autour de Hossein Lahoul le pousse à sortir de cette alternative et de choisir son camp naturel, c'est-à-dire le noyau dur des partisans de l'action armée, seul susceptible aux yeux de ces derniers, de transcender les clivages politiciens et redonner l'espoir aux militants de base. Mars 1954, il fait partie du comité révolutionnaire d'unité et d'action, le CRUA, créé à cette fin en mars 1954, de même qu'il participe en juin de la même année à la réunion des 22, qui décide de l'action armée immédiate. À la veille du 1er novembre 1954, Abdelhafid Boussouf est l'adjoint de l'Arbi Ben Mehdi, chef de la zone 5, Oranie. Il ne ménage aucun effort. Cependant, tant dans la région qu'il dirige qu'au-delà des frontières en territoire marocain, notamment dans le Rif ou en liaison avec l'Arbi Ben Mehdi, Hajj Ben Allah et Mohamed Boudieff. Il est à la recherche et à la réception d'armes pour les combattants. La zone 5 est alors structurée et divisée en 13 secteurs opérationnels, d'où doté de cadres et de combattants armés. L'action reprend avec vigueur. 1956. Après le congrès de la Soumam, tenu le 20 août 1956, il devient membre du Conseil national de la Révolution, le CNRA, et succède en septembre 1956 à l'Arbi Ben Mehdi à la tête de la zone 5, devenue Wilaya 5 avec le grade de colonel. La Wilaya est réorganisée en 8 zones et va porter la lutte jusqu'à la limite des territoires du sud, dans la région d'Eflou en particulier, d'où l'Aïlène chasse des éléments bellounistes récemment installés. À cette époque aussi, profitant de l'évacuation des forces françaises de l'oriental marocain, il s'assure de solides bases d'appui dans cette région et passe à la seconde phase de son plan d'action en y implantant des bureaux de liaison et des bureaux d'accueil et de recrutement, des bases logistiques et surtout des centres de formation militaire et technique, dont le premier centre de formation des agents de transmission en 1956 et la première école des cadres en 1957, et ce, dans la clandestinité la plus totale. Ce n'est pas facile de parler d'un être aussi exceptionnel que si, tel que le colonel Boussouf, parce que d'abord, il faut rappeler que Boussouf a été un militant de la première heure. Il a commencé à militer très jeune, à l'âge de 16 ans. Il est rentré au PPA, MTLD, puis très vite recherché par la DST française, à l'époque en Algérie. Donc, il a été obligé de vivre dans la clandestinité. Donc, très tôt, il était devenu un clandestin. Donc, il a été muté par son parti à l'ouest de Constantine. Il est parti à Oran et à Tlemcen. Et les frères qui l'ont connu à cette époque disent qu'il avait... Et c'est là où il a commencé donc à affiner le sens de l'organisation. C'est là où il se déguisait pour échapper à ses mouchards et à ses informateurs qui, à l'époque, disons, pullulaient avant d'être éradiqués par l'ALN et par le FLN. Compte tenu donc de sa formation de militant, ancien militant, déjà clandestin avant le déclenchement de la révolution. Tout naturellement, il a été l'adjoint de Ben Mehdi à Oran. Ben Mehdi étant devenu, après le congrès de la Soumam, membre du CCE, tout naturellement, Simbrook est devenu, qui était un de ses adjoints, est devenu le colonel de la Wilaya 5. Et Simbrook a eu la chance ou la préscience d'organiser le FLN au Maroc et en faire une organisation très efficace, très rentable, à tout point de vue. Je l'ai connu
entre 51 et 52. Je ne me rappelle pas exactement de la date. Au moment où l'os a été détruite par les Français en 1950, certains cadres de l'Est ont été évacués vers l'Ouest clandestinement. Et Boussouf il s'est trouvé par hasard dans mon village, chez un nommé Berkani, où il a vécu presque 3 ans. Il s'appelait Silhbib. J'étais encore au secondaire au collège de Salah Tlemcen, et pendant les vacances d'été, comme je connaissais le Coran, j'allais à la prière du coucher du soleil réciter avec les Tolba. Il venait réciter avec nous le Coran, avec un autre responsable que je connaissais bien, qui s'appelait l'Aouj Mohamed, futur Farraj qui est mort avec l'Otfi dans le sud de Béchar. J'étais, comme je l'ai dit, instituteur à la frontière à la demande de l'ALN pour pouvoir leur rendre service, pour qu'ils puissent m'utiliser pour des besoins de logistique et de renseignement. Et j'étais en même temps responsable des affaires politiques de toute la région, y compris Magnia et Benouassine. Un médecin, j'ai oublié son nom, un médecin qui était à Magnia, qui a d'ailleurs après travaillé avec le docteur Franz Fanon, qui m'a dit « Attention, la police française, elle te surveille, elle est sous tes trousses. » Et dès que je l'ai appris, je me suis enfui une nuit de l'école, c'était au mois de décembre 1955. Et j'ai rejoint le PC de la Wilaya. Et on m'a affecté à la zone 1, à la zone 1 Wilaya 5, qui n'était pas encore créée, c'était les secteurs. Et je suis devenu secrétaire de zone pendant longtemps. Et à ce moment-là, Lotfi m'a récupéré au niveau du PC de la Wilaya, au sein du SRL Wilaya 5. Et ce SRL Wilaya 5 est devenu par la suite le LGR au moment où Boussouf est passé au CCE. Il est devenu le MLGC quand Boussouf est devenu ministre du premier gouvernement provisoire de la République algérienne en septembre 1958. Et c'est devenu le MALG en janvier 1960. Quand l'armement a été intégré dans le département de Boussouf. Et je me suis occupé toujours du renseignement comme directeur des affaires militaires. À sa création, le ministère des Liaisons Générales et Communications, dans le premier GPRA, le 19 septembre 1958, a repris tous les services que Boussouf avait en tant que membre du CCE, responsable du département des Liaisons Générales et Communications. Donc, pour les services qu'il allait créer au sein de son ministère, il avait évidemment à créer deux services de renseignement au lieu du SRL, au lieu et place du service de renseignement et liaison de la Wilaya 5, qui était implanté au Maroc, de ce service qui s'est développé, qui a pris beaucoup qui a pris de nouveaux effectifs. Il a fait deux directions, la direction de la documentation et recherche, qui est un service de renseignement, et la direction de la vigilance et de contre-enseignement, qui est un service de prévention et de protection de la révolution. J'ai eu l'occasion de rencontrer Simbrouk après avoir quitté la Médersa d'Alger pour aller à Ouadzem, où j'ai eu l'honneur et le privilège d'être parmi ceux qui ont organisé les événements de Ouadzem, qui ont permis, entre autres, bien sûr, ce n'est pas seulement Ouadzem qui a été à l'origine du retour de Mohamed V, de l'exil, mais l'Algérien que je suis a participé à cet événement. De là, je suis allé à la demande de ce Salbi Allel, qui était responsable au Maroc. Je suis allé à Rabat et de là, je me suis retrouvé à Nador, où il y avait un centre de transmission, dirigé bien sûr par Simbrouk Boussouf. C'est là où j'ai eu le plaisir et l'honneur de le rencontrer aussi, de savoir qui il était, ce monsieur. Ce que l'on peut résumer, c'est que Boussouf était un homme extrêmement organisé, qui avait une vision, non seulement une vision immédiate pour le règlement des problèmes, pour l'organisation de ces structures et de ces services, mais qui voyait également extrêmement loin. C'est également un responsable qui faisait confiance à ses hommes, malgré leur jeune âge. Il les a aidés à se former, il leur a confié des responsabilités, il a pardonné les fautes, des erreurs qui ont pu être commises
par, non pas par incompétence, mais par, je dirais même pas par négligence, mais par manque d'expérience. Et c'est ce manque d'expérience et ces fautes corrigées qui ont fait de ces responsables des cadres qui ont su assumer pleinement leurs responsabilités. Donc, Boussouf également était un visionnaire dans la mesure où tout ce qui était innovant en matière de technologie l'intéressait, de même qu'il pensait sérieusement à l'après-indépendance. Il était extrêmement confiant en ce qui concerne l'indépendance du pays, qu'il savait inéluctable. Il a déjà pensé à l'avenir de ce pays en organisant des actions de formation multidirectionnelles dans les domaines les plus variés, notamment dans les domaines où les Algériens n'avaient pas la possibilité, à l'époque de l'administration coloniale, de s'exprimer ou même d'y accéder. C'est le problème des hydrocarbures, c'est le problème du génie mécanique, c'est le problème du génie nucléaire, c'est le problème de l'aviation, problème de la marine, problème des transmissions également, qui fut une arme extrêmement utile pour les liaisons du FLN à l'extérieur et de l'ALN également entre les différentes unités de l'intérieur et les commandements situés à l'extérieur. Mais il avait également un sens d'anticipation et chez certains, il pressentait ce qui allait réussir et ce qui n'allait pas réussir parce qu'il était en contact permanent avec ses cadres. Boussouf était un homme qui connaissait individuellement la presque totalité de ses collaborateurs et des agents placés et des journaux placés sous ses ordres. Et ils étaient nombreux, puisque le Malg a pu totaliser jusqu'à 2000 militants et 2000 cadres et agents journaux, donc membres de l'ALN. Il les faisait travailler de manière collective et il leur a inculqué un certain nombre de valeurs qui sont communes et qui sont restées jusqu'à présent. L'engagement, la foi, l'optimisme et le sérieux. Donc tout cela fait partie des choses qui sont l'œuvre d'Abdelhafid Boussouf. Il n'était pas orgueilleux, il n'était pas également dur avec ses cadres, quoi qu'il a été avec ses pairs, puisqu'il avait un rôle à jouer en tant que haut dirigeant de la Révolution, mais avec sa structure, c'était le bon père de famille. La première école de cadres qui a été mise en œuvre par Boussouf, par le colonel Boussouf, il avait pris en main une cinquantaine de jeunes réfugiés d'Algérie. Et l'ensemble de ces militants, je crois au nombre de 60 ou 70, la première école des cadres, a fourni des cadres. Il y en a qui sont rentrés dans le maquis, il y en a qui ont été versés dans les services DDR, DVCR, transmission, enfin dans tous les domaines. Et l'encadrement était remarquable puisqu'il était donc assuré par Sir Abdelhafid, par Maoui, qui était donc un universitaire qui venait de Toulouse, par le lieutenant Arbaoui, qui avait fait la guerre d'Indochine et qui faisait l'instruction militaire, par Abslem, le frère Abslem, qui est un vieux militant du PPA, quand je suis arrivé de Toulouse et que j'étais en attente d'être incorporé dans l'ALN. Il faut dire que nous étions effectivement en 1957, beaucoup d'entre nous étaient de jeunes élèves, de jeunes lycéens, etc., sans grande expérience de la vie. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons rejoint l'ALN, nous venions tous du Maroc, à ce moment-là, et nous avons été ainsi mis dans le cadre d'une formation qui est une formation de cadre supérieur de la nation. C'était à ce moment-là, c'était l'été 1957, lorsque nous avons donc commencé ce stage, qu'il y ait eu un homme qui était Siboussouf Larhmo, qui ait pensé au fait que l'Algérie était sûrement indépendante un jour et qu'il fallait préparer les cadres de l'Algérie indépendante. Et ceci, évidemment, il fallait le penser à ce moment-là, lorsque nous étions dans une situation, notre peuple et l'Algérie en général, une situation extrêmement difficile. Et nous avons donc été rassemblés dans le cadre d'un programme, d'une école, qui s'appelait la première école nationale des cadres de la nation ou de l'ALN.
Je pense qu'à mon avis, dans les écrits que j'ai lus, que j'ai pu lire, qui ont été faits sur notre révolution, on parle très peu de cette école. Or, elle est essentielle, parce que plus tard, les cadres à l'indépendance qui ont pu prendre la relève lorsque les Français ont disparu, qu'il n'y avait plus d'État, beaucoup d'entre eux venaient précisément de notre ministère de l'Armement et de la Liaison Générale, et plus particulièrement de cette période de l'École des cadres. L'École des cadres était faite en fait de deux programmes. Un programme proprement politique, dans lequel nous avons été initiés à tous les problèmes politiques, économiques, internationaux, géopolitiques. Il y avait une discipline qui s'appelait l'économie, et celui qui nous enseignait ça, c'était Sidelsi Nordin Laïd-Kroukir, qui était à Blida à ce moment-là, et qui nous faisait le cours d'économie politique. C'était la première fois que ça arrivait. Par ailleurs, il y avait Simour Lerner, qui nous enseignait l'histoire de l'antiquité algérienne. Il fallait y penser, quoi, pour construire la personnalité de l'Algérie, l'Algérien. Ensuite, il y avait Seb Tslem, l'ancien ministre de l'Industrie, qui, lui, nous enseignait l'histoire du mouvement national. Et il y avait également Simaoui, qui, lui, nous apprenait des éléments de droit. Et tout ceci, toute cette école, était dirigée par Laro Sikhlifa, qui, lui, nous enseignait en même temps la géopolitique. À cette époque-là, nous étions une trentaine de jeunes de différents niveaux, des universitaires, des lycéens, etc. Et on nous destinait à faire les transmissions, mais nous ne le savions pas. Et donc, au moment de rentrer, nous passions tous, un par un, devant un interrogatoire. L'impression est indélébile, si je puis dire, j'oublierai jamais. Nous étions devant deux personnages. L'interrogatoire était assez long, notamment en ce qui me concernait, parce que je venais de Toulouse. À l'époque, il faut se rappeler que c'était fin mai, début juin. Et la grève des étudiants algériens avait débuté le 19 mai 1956. Donc j'étais peut-être le premier ou l'un des premiers Algériens à avoir rejoint. Donc Simbrook se demandait si je n'étais pas, comment se fait-il que j'étais le seul à venir, d'où un peu la sévérité de l'interrogatoire en ce qui me concerne. Mais une fois introduit dans la première promotion, bien entendu, on était traité comme tout le monde. Et ça n'a pas empêché la confiance loin de là, puisque j'étais même versé par la suite au PC de la Wilaya 5, lequel PC à l'époque où il y avait le capitaine Taouti et le lieutenant Mokran. Donc nous étions trois. Le commandant Boumediene rentrait à l'intérieur pour faire des contrôles. Vous voyez, donc, j'étais au cœur du PC, donc, de l'OIA5. Les services du MALG sont devenus de plus en plus importants et ont amassé une quantité considérable d'archives qui étaient très sensibles, importantes, et il fallait donc les mettre dans un lieu sûr. À cette époque, le meilleur endroit qu'on a trouvé, c'était en Libye, à une vingtaine de kilomètres de Tripoli. Et les Libyens nous ont offert gracieusement une immense caserne qui a été bâtie par les Anglais à l'époque et laissée par les Anglais. Cette caserne était un lieu, si je puis dire, stratégique parce qu'on pouvait voir aux quatre coins de l'horizon, toute personne ou tout véhicule pouvant arriver à cet endroit-là. Donc, au point de vue sécurité, c'était une sécurité quasi maximum. Et nous avons donc regroupé, c'est Boussouf Lahmo, c'est le ministre du MALG à l'époque, a regroupé l'ensemble des services du MALG. Les transmissions, il y avait la DDR, le service de la documentation et recherche, il y avait la DVCR, il y avait les liaisons. Enfin bref, tous les services étaient représentés sur place.
nous centralisions, si je puis dire, l'ensemble des services qui nous venaient de tous les côtés. Le couronnement a été quand Sibosouf nous a demandé de faire une synthèse de toutes ces informations militaires, politiques, économiques, cartographiques même, pour la réunion des trois partis du maghrébin. À l'époque, le FLN, l'Istiqlal et le Néo-Distour, qui sont réunis à Tanger, et qui a été une date historique où les trois se sont pris des décisions pour achever et amener l'ensemble des pays maghrébins à la dépendance. Le PC Lourd de la Wilaya s'appelait le SRL-CGWO. C'est-à-dire, c'était l'ensemble des services de renseignement et de liaison de la Wilaya 5, mais nous étions déjà composés de trois sections importantes, la section militaire, la section politique, la SIAP, et la section cartographique. Et nous pouvions faire des synthèses générales, et notre synthèse a fait sensation. À cette réunion, nous qui étions en pleine guerre avons pu fournir des synthèses que les autres partis n'ont pas pu fournir, qui étaient déjà indépendants, hein, je rappelle, à cette époque-là. Et donc, j'en arrive à la DVCR. Tout de suite après, en septembre 58, il y a eu la création du GPRA. Le premier GPRA. Le premier GPRA, version septembre 1958, a créé différents ministères et a confié à Sibosouf le MLGC, le ministère des liaisons générales et des communications, qui était composé à l'époque de trois grandes directions. Enfin, Tahar Khaladi et moi-même, nous étions convoqués pour chapeauter ces trois directions. La direction de transmission, tout naturellement, revenait à son créateur, si je puis dire, le commandant Omar. Finalement, c'est Simbro qui a choisi le DDR, c'était Tahar Khaladi, et le DVCR, c'était en l'occurrence moi-même. Le contre-enseignement consistait à détecter et neutraliser toute velléité d'espionnage ennemi ou autre qui voulait s'introduire dans nos services. Je n'avais pas revu un de mes éléments depuis 1962 et je l'ai retrouvé après tant d'années, en 2017. Et alors les souvenirs s'imposaient à moi pour cette période de toute l'histoire de la naissance du renseignement et de la vigilance. Mon premier souvenir est celui d'un stage de cinéma qui s'est déroulé à Ain Khaldjouza, près d'Ifrane, dans le Moyen Atlas. J'étais alors loin de m'imaginer que cette petite formation allait me servir épisodiquement, tant pour la prise de vue que pour la projection au cours de ma participation à la lutte de libération nationale. Un autre souvenir, juste avant de rejoindre la LN, j'avais pris en photo mes frères, les moujahidines blessés et handicapés, qui avaient été confiés aux familles algériennes du Maroc. Un autre souvenir, il y aurait beaucoup à dire aussi sur les réfugiés, les nombreux réfugiés qui arrivaient au Maroc, de différentes régions d'Algérie, puis il y a la répression, les agressions et les arrestations arbitraires des services de sécurité civile et militaire ennemis. On ne peut pas ne pas les évoquer à cette occasion. Ils étaient entièrement pris en charge par le FLN, notamment pour leur hébergement, et tous participaient, à chacun sa manière, à l'activité militante. En ce qui concerne les aspects positifs de la DVCR, il est difficile, en raison de l'empreinte du secret et du cloisonnement systématique nécessité par l'activité et les missions des éléments de la DVCR, il est donc difficile de faire une liste exhaustive des prouesses réalisées par ces derniers tout le long de leur activité
au sein de cette direction sous l'autorité du frère Safa. Je ne pourrai parler du contre-enseignement et de la vigilance avec aisance car les dossiers resteront secrets. Il s'agit là de la protection de la révolution contre toute force étrangère. Cela se passe de la manière dont toutes les nations. Nous avons pu éloigner la manipulation, l'intox subversive et éviter quelques arrestations au sein du territoire national. Et cela durant plusieurs années. Il reste néanmoins que cela n'a pas été facile, mais possible. Toutes les photos prises au cours de ma participation effective à la lutte de libération nationale auront permis aux nouvelles générations de comprendre les sacrifices de notre jeunesse pour une Algérie indépendante. J'ai pu constater que la complicité était toujours présente, car le lien que nous avions restera indéfectible à jamais. J'étais en France au lycée Collège Libre de Juillet, en Seine-et-Marne, où mon cousin Germain Sagag Chagabdine était avant moi. J'avais 15 ans en 1954. Mes amis étaient français. Mes cours se passaient bien, mais l'Algérie me manquait. Ma famille m'inquiétait. Les événements changeaient. Avec la guerre, je me posais des questions sur l'avenir d'un indigène algérien. La rupture s'est imposée aussitôt. Je devais rentrer en Algérie. Pour revoir les miens, c'était en mai 1956, la fameuse grève des étudiants. Je quittais le collège pour de bon. À mon retour, mon frère venait d'être arrêté pour association de malfaiteurs. Il a fallu vivre avec, attendre et espérer sa sortie, et cela a duré jusqu'en mai 1958. Je rejoins la cellule de lutte de libération, tandis que mon frère était toujours en prison. Il faut se préparer à une guerre, la France ne peut sortir de l'Algérie que par les armes, quoi. Il n'y a pas une autre alternative. Voilà en ce qui concerne Tarbiya ou Talim. Cheikh Amira était un homme politique dans le quartier, connu de tout le monde. Donc c'est lui aussi qui nous enseignait. Il nous enseignait le nationalisme. Quand on se rencontrait, c'est pour parler de la guerre, ce qui s'est passé. Il nous drivait. Il y a eu une suite au 13 mai. La suite, c'était préparation pour nous envoyer défiler en juillet à Paris. Et c'était pour le 14 juillet, pour cautionner la politique de l'époque, l'intégration. C'est là où moi, j'ai dit, il est exclu que j'aille faire ce défilé, donc je savais ce que je faisais à l'époque. Bon, j'avais 17 ans ou 18 ans, mais enfin, j'étais quand même responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? On est descendu les Champs-Élysées au niveau de la tribune officielle. À l'époque, c'était René Coty qui était président, c'était lui qui était à la tribune officielle. On a bondi, on a sorti donc les drapeaux. Les sorties, donc. Je me rappelle, le soir même, ou le lendemain, il y a eu la presse. Et on a quitté le défilé au moment où il y a eu... c'était une alerte, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Ils ont été pris au dépourvu. Des drapeaux algériens en plein Champs-Élysées. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un truc, quelque chose qui leur est tombé sur la tête et auquel ils ne s'attendaient pas. Donc on a quitté. Donc il y a ceux qui sont... parti à ceux qui ont été arrêtés. Nous, on est sortis, on a pu sortir. À partir du moment où on a franchi le barrage, on a sauté juste ces espèces de... Je ne sais même pas comment on les appelle. Bon, on a sauté, on a trouvé les éléments de la Fédération de France qui nous ont pris en charge. Et là... un séjour, une bonne prise en charge, jusqu'à notre départ de France, un passage sur l'Allemagne des plus corrects. Arrivé en Allemagne, on a été chouchouté par Kéraman Abdelhafez, qui était ambassadeur, représentant donc du FLN, à l'ambassade de Tunisie. On est resté quand même une vingtaine de jours avant qu'on nous prépare nos papiers. Et là, on a pris la destination de l'Italie. Après l'Italie, c'était la Tunisie. Bon, avant d'arriver à la DVCR, je vais faire un petit effet rétroactif.
mon arrivée en Tunisie. Arrivé en Tunisie, nous avons été pris en charge par la base, on appelait ça la base A, qui relevait du ministère de l'Intérieur, donc de Bentobel, et elle était commandée par le commandant Kassi. Donc on nous a réceptionnés, après quoi ils nous ont mis dans un centre de transit où on devait partir sur les frontières pour l'instruction militaire et on a parlé de rentrer à l'intérieur. On est resté quelques jours et c'est à ce moment que j'ai reçu, moi, la visite parmi tout le groupe qu'il y avait. J'ai reçu la visite de Djemal Qasri. Elle était disposée à rentrer à l'intérieur. J'ai dit, comment je suis là pour ça? Après quoi, j'ai été tout de suite dirigé donc, dans la structure et je me suis retrouvé dans un centre, une villa, qui se trouvait à Mutuelville, donc dans la banlieue tunisoise. Le premier que j'ai rencontré dans cette villa, ça a été Abdelrahman Bagouane, Si Safar. Et Abdeljabbar Sennoussi, dit Fouad. Ce sont les deux qui se sont toujours occupés de moi. Ils étaient en train d'organiser à l'est ce qu'ils avaient déjà à l'ouest. Donc l'origine de ces services, DDR, DVCR, transmission, tout ça, c'est venu de l'ouest. Et ils ont fait la réplique à l'est. Donc on était en train de... Donc on a commencé à travailler. Il m'apprenait à travailler, ce qu'il faisait. Et j'ai commencé donc doucement, jusqu'à ma formation finale. Voilà ce qui s'est passé donc dans ce centre de Mutuelville. J'ai rencontré le lieutenant Abdjabbar, avec une unité de la LN, avec des jundiettes, etc., etc. On m'a emmené, bien sûr, discrètement la nuit, etc. Et après avoir mangé, il m'a dit, voilà, je confirme que tu ne dois pas faire la grève. Il m'a dit, parce que tu nous es très utile. Tu veux rentrer maintenant, tu veux venir avec moi, tu veux incorporer dans l'unité. Il faut que je t'habille, il faut que je te donne à manger, il faut que je débrouille un fusil, etc. Mais, entre-temps, je crois qu'ils avaient eu la certitude que je collaborais avec la LN, etc. Et j'ai été arrêté. Pendant 2 jours, j'étais emmené dans des locaux des services de renseignement, braqué, conduit là-bas. J'ai voulu leur dire que j'étais innocent, on m'a mis tout nu. On m'attachait les pieds et les mains avec la méthode habituelle des tortures. Et ils ont commencé la séance de torture avec l'électricité. Moi, à l'époque, on parlait de torture, d'électricité, etc., etc., mais je ne savais pas ce que c'était. Lorsque j'ai ressenti une douleur atroce, on est parti génital. J'étais affolé, je criais. On m'a fermé la bouche. Et on m'a demandé, pour parler, d'agiter le petit doigt. J'ai passé 2 jours de calvaire. Mais le hasard, peut-être faisant bien les choses, je me rappelle, c'était le 30 avril, c'était le dernier jour du Ramadan. Et le lendemain, c'était jour de fête, donc férié. Ils s'étaient absentés, ils avaient laissé un seul gardien. J'ai profité d'un moment d'inattention pour m'enfuir. Et de là, je suis parti au Maghi, je le sois. Je me suis retrouvé là, à marcher dans les broussailles, à toute une nouvelle vie. Parce que quand vous montez au Maghi, surtout à l'époque, avec des moyens dérisoires, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez rien, vous marchez à pied, vous mangez ce que vous trouvez, etc. Et j'avais rencontré justement le lieutenant Abdjabbar, qui était très content de me revoir. Et je suis resté. J'ai fait la zone 6, ensuite j'ai fait un peu la zone 5, jusqu'au moment où un jour, on m'a dit, voilà,
on va te faire un laissez-passer, tu vas partir à la base 15. La base 15, c'était Oujda, c'était la base Bimedia à Oujda. Donc, j'ai travaillé dans cette situation pendant longtemps. Mais nous travaillons à l'insu des autorités marocaines. Il fallait faire attention parce qu'ils pouvaient... il ne fallait pas qu'ils sachent ce que nous faisions, parce qu'on arrêtait des gens, il y avait des gens qui étaient condamnés, qui étaient exécutés, ils étaient enterrés le long de la frontière. Au moment où on s'y attendait le moins, survient Al-Hajj Berigo, qui était l'agent fidèle de Boussouf et de Boumedine. Il nous appelle, prend un air sévère de circonstances, et il nous dit... Ce soir, au crépuscule, je veux vous trouver à tel endroit. Vous m'attendez. Nécessité oblige, discipline oblige, nous sommes présentés au crépuscule à tel endroit. Il est venu avec une voiture, il ne nous a même pas parlé avec de la tête. Il nous a dit de monter derrière, on est monté. Il a démarré. Il a commencé à tourner, retourner pour nous embrouiller. Il a réussi quand même à nous embrouiller avec le crépuscule naissant. Il ne savait plus où on était. Et subitement, il s'arrête devant une porte. Une grande porte avec de gros clous. Ça avait l'air d'une porte de forteresse. La porte s'ouvre. On nous introduit. Et... C'était, il y avait une grande cour qui montait comme ça, avec un jet d'eau au milieu. Mais en bas, il y avait une chambre qui avait l'air d'un PC de commandement. On nous dit de rentrer là. Il y avait quelqu'un qui était alité, qui paraissait souffrant, enrhumé. Il était sous une couverture quelconque. Une fois qu'on est rentré, il nous a regardé, il s'est soulevé sur un coude. Il avait les yeux rouges, c'était la fièvre, etc. Il s'est raclé la gorge. Il nous a fixé dessus avec ses yeux sévères. Il nous a dit, sachez que vous êtes là dans un lieu secret d'importance nationale, que dis-je nationale, supranationale. Quand on rentre ici, on ne sort pas. Et vous devez faire votre devoir là. Et c'est là qu'on a retrouvé Zarouni, Yazid, on a retrouvé Qazdi Merbah, Dahoul Koubliya, le groupe des Mascariens, etc. On s'est intégré. Et c'est là, on nous a demandé, parce que vous savez très bien qu'en matière de renseignement, d'espionnage, il est impossible de faire appel à une aide étrangère, fût-elle amie. Parce qu'on... On ne collabore pas en matière de renseignement, sauf peut-être pour des affaires individuelles d'intérêt commun. Donc, on nous a dit, vous êtes là pour former des services secrets. Donc, nous sommes retrouvés tous dans cette maison. Et puis, par la suite, il s'est avéré que cette maison a été offerte gracieusement, mise à la disposition de l'organisation du FLN, par un très grand militant qui s'appelait Beni Khalifa. Et vous ne pouvez pas vous imaginer les bienfaits qu'a fait cette maison, parce que tous les stages de formation de tous les cadres, des premiers cadres, même Bouteflika y compris, sont passés par la maison Beni Khalifa. Et c'est devenu un label. Certains cadres de mon service, comme d'autres services, ont été désignés directement par Sir Abdelhamid Boussouf pour des missions bien particulières. Et c'est à lui qu'ils ont rendu compte par des rapports oraux ou verbaux. Nous-mêmes n'en savions rien. En premier lieu, on peut dire avec certitude, et preuve à l'appui, grâce aux témoignages, par exemple, des frères Nejadi Mohamed Demokra, qui fut vers 1960 chef des services frontières ouest, puis versé à la baisse d'Idouche, ainsi qu'au témoignage du frère Safa, qui ont eu tous les deux accès à des archives des services secrets français. On peut affirmer
que les services français n'ont jamais, à aucun moment, malgré tous leurs efforts, pu remonter jusqu'au nom et prénom des cadres du Malg. Seuls quelques noms de guerre ont pu être connus, comme par exemple celui de Safar, sans que toutefois on ait pu déterminer ses fonctions précises. Il n'est pas utile d'évoquer, bien sûr, le fameux fichier de la DVCR, qui a commencé avec une boîte de chaussures et des fiches cartonnées, qui a fini par une base imposante de renseignements recueillis au cours de plusieurs années, ni les nombreux rapports et études qui ont servi notamment aux négociations des accords d'Évian, qui démontrent l'efficacité de la formation théorique et pratique des cadres de la DVCR et de la crédibilité des informations qu'ils ont pu recueillir. Mon travail consistait à faire, je ne sais pas si je dois ou je ne peux pas en parler, c'était les fiches. Donc, on avait les fiches, on avait divers sources d'informations et donc on fichait systématiquement. On avait trois types de fiches. La fiche blanche où systématiquement tous les Algériens étaient fichés. La fiche jaune, là où il y avait un doute. Et la fiche rouge, Haktarf, ça concernait les gens qui étaient de l'autre côté. Je suis resté assez, quand même, plusieurs mois. Jusqu'au jour où j'étais affecté donc aux frontières. J'ai rejoint Kamal Khalif et j'ai rejoint Mohamedi Bakat. Je suis resté un certain nombre de temps avec eux et après ils sont partis. C'est moi qui suis devenu le chef de centre de la frontière Est. Elle regroupait pratiquement, ils avaient fait déjà un travail titanesque. Je ne fais que gérer, moi. C'est de Ain Draham, c'est-à-dire du nord de la Tunisie jusqu'au sud, en passant par le Kef. Et le sud, c'est Temsmida, Ain Draham, Temsmida, plus les écoles. On était structurés partout. Donc, on ne faisait que collecter le travail qui se faisait. Après quoi, ce travail était transmis à Tunis, et Tunis à qui de dos. Ça, c'était avant la base des douches. C'était la partie, le chef de service de la DVCR, c'était à l'époque Attar, le Houaridi Tariq, avait comme adjoint Driss, que sais-je. Et nous, chacun, il y avait Ouddan qui était le chef de service, donc moi je dépendais de Ouddan. Donc c'était l'exploitation jusqu'à mon départ. Après le CNRA, la visite du CNRA, quelques temps après, je suis parti sur le Maroc. La base du Douche Mourad était désertique et se trouvait à 30 km de Tripoli. Je devais y séjourner pour une période après avoir succédé à Khalif Kamal. Sur le plan externe, la mission des DVCR consistait à démasquer l'ennemi et les neutraliser. Détecter et signaler les Algériens qui, par leurs actes, comportements ou paroles, pouvaient porter atteinte à la Révolution. Établir le fichier national des ennemis algériens ou étrangers qui pouvaient porter atteinte à la Révolution. C'est ainsi que la DVCR a démasqué et neutralisé les agents du 5e bureau de l'action psychologique de l'armée française qui coiffait la radio du Bled. Ce bureau qui effectuait un travail considérable de démoralisation des Moudjahidines a utilisé les services SAS, SAO et le DOP, détachement opérationnel de prévention, véritable laboratoire d'interrogatoire et de torture implanté dans chaque secteur, sans oublier le bureau d'études et de liaison BEL du colonel Jacquin, pour s'occuper des renseignements de la propagande, de la désinformation et de la manipulation.